Et salut tout le monde, c'est Link. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode du Let's Play sur le jeu Fist Forged in Shadow Torch. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. La dernière fois, nous étions arrivés à Geoffrey Street après s'être échappé de la prison. Et on va aujourd'hui fouiller un peu plus cet endroit. On a déjà fait quelques trucs. On a par exemple mangé les nouilles qui nous font cracher le jeu. Voilà. Et qui nous donne un boost de vie. Ensuite on a un chemin en bas et en haut. Alors vu que la suite est en haut, je préfère aller en bas en premier. Et je voulais dire un petit truc, j'ai appris que apparemment sur la version PlayStation du jeu, et bien il n'y a pas le français. Voilà, c'est quand même quelque chose de triste. Enfin, je comprends pas trop, je trouve ça nul, pourquoi ils ont pas mis le... Enfin ça apparemment il aurait dû y avoir un patch, mais il n'y a pas eu. Ah oui, je l'avais pas vu, putain. Et... Oui, je l'ai vu quelque part déjà, non? Ray, ah oui, congratulations on saving Urso. Thanks to you, the organization brought me to Geoffrey Street and made me chief cartographer. Ah, je sais, puis vous affichez sur la carte des trucs et tout. You seem more interested in maps than intelligence gathering. You sure are clever, Ray. Nobody knows just how big Torch City is and how many secret tunnels there are. This is no furtives and dares come close to the Iron Dogs' occupation zone, though. But Ray, if you can. If I've been there, then you have too. That's great! Thanks, Ray. Next to it is my father's vinyl player. C'est la piscine de mon père. C'est un well-preserved antique. Plus que tu veux écouter. Aucun CD. Okay. Donc oui, pour dire que du coup bah, c'est dommage. Et donc si vous voulez jouer au jeu, bah, si vous voulez le français, ne le prenez pas sur PlayStation. Parce que bah, vous aurez pas le français. Quoi. Oh là, c'est le mec des plantes. Wise, oh wise. Those rats on Geoffrey Street tricked me again. What happened? Wow, you're the one that sprung me from prison. You're my hero. Psst, here's a secret. There's still many rare seeds throughout Torch Tower. I didn't want the Legion to catch me, so I paid the Rat Gang to help me find them. But Buzz took the money and tricked me with fake seeds. What do the seeds look like? I'll help you find them. Really? That'd be great. Look, they look like the... I see. Thank you. If you can collect all, you've got a new seed on you. Ouais, tiens, j'en ai plein. Wow, this is. Ah, il les a toutes mises. Ok. Ouh. Ah, déjà, ça c'est bien. Disque dur. Ah, mais il me les donne toutes une à une. Je suis carotte niveau 2. Oh. Nice. Did you find it? Ok, du coup ça me fait penser un peu au... Merde. Oui, vous voyez de quoi je parle, bien sûr. Dans... Merde. Hollow Knight, voilà. Des petits, petites chenilles. On arrive à parler, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument aucun souci. Nous connaissons notre vocabulaire. Ok, bon, bah, je ne pouvais toujours pas ici apparemment. Ça filme bien, ça filme bien. J'ai des petits doutes des fois, de moins en moins, vous aurez remarqué. Mais parfois, il y a des doutes qui persistent. Et douter, ben, c'est pas cool. Bonjour. I heard that you turned the Iron Dogs' prison upside down. You have truly avenged Master Wu. I wouldn't come to the Rat Gang's territory if there wasn't so much traffic here. Your name suggests that you like money. Oh, don't laugh at me. A new shipment has arrived. Alors, j'ai combien? Ok. C'est quoi ça? Permet d'ouvrir la porte du complexe antique. Il y a un cas dissimulé à travers Torch City. Personne n'a encore réussi à régner un fragment. Mais parce que quand il parvenait, un fournier ordinaire n'aura qu'une chance de trouver le complexe antique. Oui, bah il était juste dessus, donc ça doit être ça. Ok, donc ça doit être un CD pour écouter sur le truc, d'accord.
Page provenant des plans de la dernière. La dernière. Trouver les pages manquantes pour obtenir un plan au complet. Ok. Je vais rien acheter. Thank you for your business. Plaisir de faire affaire avec moi, je t'ai absolument rien acheté, mais. Let's go. Comme c'est malin, les fragments mystérieux dont parle le guide du chasseur à trésor seraient cachés dans le Geoffrey Street. Les rats ont bien choisi leur coin. Des fragments mystérieux? Oh, bien entendu, il faut m'aider à retrouver ces fragments. J'ai affaire. Je vais vous dire un secret. D'après le guide du chasseur trésor, un fragment mystérieux composerait un objet renfermant un pouvoir datant de l'aube de la création. Vous pourriez au moins me payer pour ce secret que je vous ai révélé. Bah oubliez, vous avez l'air d'être un gars honnête. Et que dites-vous de ça? Si vous m'aidez à trouver le fragment, je partagerai l'héritage divin avec vous. C'est fini de parler, j'ai affaire. Attendez, j'ai une proposition sérieuse que vous ne pouvez pas refuser. Trouvez les 4 fragments et partageons le pouvoir des dieux. C'est ce fameux fragment dont on a entendu parler. Hey, salut. The key is good, isn't it? Won't be free this time. Et oui, voilà, il en a 2. Je suis sûr et certain que si je l'avais sauvé, bah, j'aurais eu un gratos parce que ça devait être celui de la prison, quoi. Ah, j'avais pas vu le. Gold and silver keys are no match for my. Vous avez vu là? C'est une ref. Nice. Mais je regarde justement les posters parce que des fois je pense qu'il y a des rêves dans d'autres trucs mais que je sais pas. En fait je parle pas des décors mais c'est quand même super stylé les décors. Genre le fond et tout, le nombre de trucs. C'est assez fou visuellement quand même. Je vais aller ouvrir le truc là. Je n'arrive pas à dormir non plus, je vais te jouer une chanson alors. Trop cool. Ah, faut rester à côté pour que ça se joue, c'est dommage. Désolé. J'aurais bien aimé écouter plus longtemps, mais. Bah, il faut jouer. Je suis désolé. On a déjà un peu profité. Eh, hey, vous trouvez pas que l'immeuble du gang des rats est impressionnant? C'est moi qui l'ai dessiné, vous savez. Pour remercier le boss de m'avoir sauvé la vie. J'en ai fait l'immeuble le plus luxueux Torch City. Torch City. Et peut-être pas aussi haut que la torchère, mais il renferme aussi de nombreux secrets. J'aimerais bien bâtir un immeuble aussi haut que la torchère un jour. Ok. Boss, la 4e patrouille de la journée est terminée. Rien à signaler sur Geoffrey Street. Ah, c'est pas le Duc. Bizarre, ça fait plusieurs jours que le boss n'est pas passé. Duc passe vérifier votre travail lui-même. Évidemment, on est responsable de la sécurité de Geoffrey Street. Le boss veut être au courant de tout ce qui se passe dans le coin dès que ça arrive. Attendez, je vous ai bien entendu l'appeler Duc. Tous les phonèmes qui se cachent sur Oh my god. Sur Geoffrey Street doivent l'appeler le Duc. J'adore le boss, non seulement il contrôle le réseau d'information de la ville, mais en plus c'est grâce à lui que Geoffrey Street est une zone sûre. Pourquoi je dis Geoffrey? C'est Geoffrey, non? Quoique, il y aurait eu un grec. Ah, mais Geoffrey c'est quand même plus stylé, Geoffrey Street. J'espère un jour avoir la chance de venir sur le droit comme Buzz. Oh oh oh, ta vie doit vraiment pas être cool si tu passes ton temps à flemmarder. Le bonheur, c'est de vivre sans à l'heure. Quand j'étais gamin, toute la rue mangeait dans la même marmite à chaque repas. Mes copains et moi faisaient des concours et c'est toujours moi qui arrivais à manger le plus, même si je commençais en dernier. En grandissant, ça m'y a fait un ménage à l'usine. On avait parié sur celui qui arriverait à nettoyer 6 étages. J'ai été champion de Torch City pendant 8 années consécutives.
Quand j'ai rejoint le gang des rats, le boss m'a confié les repas de tout le gang à la distribution de courrier. J'étais un rat facteur, toujours à l'heure. Je veux pas d'argent, ça me dégoûte tout ce pognon. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on me complimente. La vie, c'est fait pour foncer à 100 à l'heure. Ok, la suite c'est en haut. Il est beau ce plan, je trouve. Je suis sûr qu'il y a des rêves que j'ai pas dans les... dans les affiches. Qui êtes-vous? Ne restez pas là, vous vous dirigez droit vers le passage le mieux gardé de Torch City. Personne ne passe sans l'accord du duc. Pour autant, on dirait un simple tunnel minier. Vous croyez tout savoir, plus un endroit à l'air banal, puis renferme un gros secret. Partez d'ici, personne n'a le droit de venir aussi près dans la... sans la permission du duc, le boss du gang des rats. Reculez si vous n'avez pas l'accord du duc. Ah, j'ai monté la garde devant ce passage secret pendant des années sans faillir. Ah oui, d'accord. Ok. This is something new, called coffee. Wanna try some? How much do you know about Cicero? What I told you before was free. This is different. What do you want? I want to make a deal with you. Cicero is planning something that will completely change Tort City. If he succeeds, Fertizens will be no more. What? The deal is that you and I work together to find out the details of his plan. Then, we put a stop to the Legion's conspiracy. You've been in bed with each other for all these years. Why the sudden split? Gray. Remember, the Red Gang might not be much to a big hero like you. The Legion has gone too far this time. The game will become unplayable. What do you think I should do? I'll trust you, for now. I am a businessman. You don't have to believe me, but you must believe the scales of self-interest. The arsenal and the sewers each contain a copy of the information. These two places are incredibly dangerous. I will send my brothers from the Rat Gang to scout ahead for you. I can do something this simple by myself. Do. You better not be playing tricks with me. Okay. Go to the arsenal and the sewers first to figure out what Cicero is really up to. Donc je dois choisir entre les deux. Mais what c'est... Allô? Et comme non plus casse au même endroit, faut que je prenne le téléporteur. Ok. Ah ouais, c'est bien ce qui me semble hein. Après là je peux pas mais... Ah si! Bim! Ok, s'en fout. Ok, je suis très déçu. C'est quoi? Il y a un point violet là. Non, ça doit être un... bug d'affichage, un petit oubli. Ok.
quoi là? C'est pas du tout là. Ah, attendez, j'ai une nouvelle affiche du coup. Ray, there you are. You got a good eye. Ah merde, j'ai pas lu. C'était son girl. How do you like my paint job? Ah non, il y en a pas que 4, ok. Ça me fait trop penser à à Diva de Overwatch, sur rose. Donc... Ah mais du coup on voit bien la gueule de la map là en fait. Alors est-ce qu'il y a que ça en map? Ou c'est que celle que j'ai découvert? Je trouvais que c'est petit. Je sais pas. Je pense qu'il y a autre chose. Salut. Super Lapin, le boss dit que tu peux utiliser notre métro à ta guise. La gare bus océanique est ouverte, n'hésite pas à y faire un tour. Pour atteindre ça, il faut aller à droite. Pour aller dans les égouts, il faut prendre le métro. Mais moi, j'ai envie d'aller à l'arsenal en premier. Vu le nom, ça a l'air sympa. Info de l'Est numéro 5. En plus, si ça c'est la numéro 5, c'est à dire qu'on est dans l'ordre. Un peu de science, les batteries, cher lecteur. Je vais vous parler de science aujourd'hui. Si je parle de science, ce n'est pas parce que j'ai peur de la Légion. Elle me fait pas peur, c'est juste qu'elle n'est pas si intéressante que ça. Je suis certain que tout le monde a entendu parler des batteries qui sont au cœur de ce numéro. La plupart des phoniens n'auront pas eu l'occasion de s'en servir. Les batteries sont pourtant assez simples d'utilisation, il suffit de suivre les étapes suivantes. Récupérez une batterie près d'un dock, introduisez la batterie dans un chargeur. Si vous ne trouvez pas de batterie, retournez au dock pour initialiser son emplacement. Ouf, ça va être quoi cette histoire? Alors, appuyez sur B avec le point équipé pour dépasser la batterie. Passez la batterie sur le dock pour activer le chargeur. Ok, jusque là, ça a l'air facile. Ah oui, mais je pouvais aussi l'utiliser là. On va aller là en premier. Oh, what? J'ai eu l'impression que j'étais dans Sekiro là, le mec il m'a bloqué du coup. Ah le salaud. Ah oui, mais dans tous les cas, oui. Bien vu, je pouvais pas passer de l'autre côté. Ok. Raccourci. Je peux pas y aller. Ok, je décore, mais je n'y a rien à faire ici.
Alors. Merveilleux. Ouais, alors ok. J'ai compris. Mec, j'ai compris. Mais calmez-vous. Ok. On va se soigner un petit coup parce que je suis pas doué. Ok, génial. Ouais, bah j'y pose là. Même si pour l'instant c'est ouvert, donc voilà. Mais c'est chaud votre histoire. C'est intéressant à savoir qu'il la lance. Pourquoi genre je m'en doutais. Genre je me doutais qu'elle allait avoir une couille. J'ai pas fait descendre l'ascenseur en plus. Oh là là. Rien ne va plus. Voilà, attendez, j'ai éviterai d'y mettre un sou parce que. J'ai pris une balle. J'ai peur que si j'y laisse en dessous, ça se fasse écraser et que ça explose ou une connerie du genre. Mais oui! Non mais bien sûr! Peut-être y mettre ailleurs quand même. Oh là là! Mais il est génie! Génie! Calme-toi. Oh là là. Stylé. Du coup on a pu voir l'exécution avec ça. Et ça, c'est la classe.
Ah, ça mène ici, d'accord. Ah, vous me gonflez. Dans une zone que je connais là. Ici y a rien, je cherche juste de tuer un mec gratos. Ah, je n'ai rien dit. Et ça me fait une jauge en plus. J'ai pas esquivé, idiot. Oh non, l'autre il me vise. Bah mec, t'es tombé. C'est dommage. C'est merdique comme endroit pour se battre. Ok. Ouais, alors dites-moi que je peux remonter là par contre. Ah mais non, mais ça ramène. D'accord. Attendez, non. Si, si je peux remonter. Alors, forteresse côtière. Pas un truc au-dessus. Un truc là, on est bien d'accord. Je crois pas que ce soit pour tout de suite. Je vois pas comment je passe. Ça, c'est bon. J'ai non, là, j'ai. Il va me falloir un espèce de bouclier ou je sais pas quoi. Arsenal. Là. De toute façon, c'est pas là où je devais aller. Après, il faut toujours aller à l'endroit où on ne peut pas aller en premier lieu. C'est une règle de base.
Faites-moi voir. On s'est essayé d'apprendre des trucs avec ça. Ça a l'air sympa. Beaucoup de choses qui ont l'air sympa quand même. Vas-y, ça j'aime bien. Et ça aussi. Hop. Et on garde notre argent et on se soigne. Alors faut que je teste. C'était hop, hop. Apparemment je maîtrise pas. Ah non voilà, c'était ça. Ok, et l'autre c'était... Je suis con. Qu'est-ce que... Comment? Ah, maintenant X. Ouais, ok, d'accord, c'est pas tout ça. Et reste appuyé, idiot. Je te dis de rester appuyé. Ok. À voir. Putain mais je suis nul. Là. Mais c'est quoi tout ça? Ça, c'est un bonus spécial ça. Oh là. Yes. CPE, c'est pas spécial ça. Voilà. Je retiens pas encore très bien. Let's go. Oh.
ça c'est un raccourci. C'est pas par là. Un disque dur. Côté, il y a une plante, enfin une graine de plante. Là, vous avez le canon des âmes. Big up à ceux qui ont la ref. Étonné que ce soit un boss ce truc. Oui, on peut soigner, allez. Soyons fous. Bim. Ah, je m'attendais à une exécution spéciale, je suis très déçu. Je peux aller dans l'eau? Je peux nager sous. Oh non. Oh non, ça pue ça. Attendez, mon objectif il est juste à côté, on va y aller. Ça pue ça un peu. Le niveau aquatique dans les jeux, bof. Ah, il me faut... D'accord. Je vois vous voulez en venir. Je veux faire exécution, mais à cause de ton pote, j'ai pas pu, t'es fier de toi, espèce de petit con. Voilà. Je l'ai senti venir. En fait, je sais pas si c'est déterminé à l'avance, ou si c'est selon... Ouais, c'est peut-être selon là où on est passé, je pense. Son attaque... je pensais pas que j'allais aller aussi loin. Parce que je serais bien quand même allé au niveau de l'eau. Ça m'intrigue. Ah, combat. Voilà. Ah, mais on peut attraper en l'air. Je viens de le faire intuitivement, mais je savais pas en fait. Ouh. Au premier plan, comme dans Smash Bros.
Ah merde. Non, ça c'était pas prévu. Ah, d'accord. Ok, je suis outré. Ah, c'est pas tant de violence. Ah, mais ça me remet là. Okay. J'avais vu quelqu'un dire qu'avec la foreuse on avait vachement plus d'impression de puissance que dans BioShock 2. Donc, pour ceux qui connaissent pas BioShock, ça vous parle pas. Mais c'est vrai que c'est pas faux quoi. Genre. Dans BioShock 2, pour ceux qui connaissent pas, on joue quand même un mec qui fait 3 fois la taille de notre perso actuellement quoi. Et on n'a pas du tout l'impression d'être puissant avec une foreuse. Il m'a... Quoi? Attendez, mais il m'a plusieurs... En bas, sur haut. Ouais, je suis con, je le savais. Putain, exécute! Péter un câble. Mais c'est du troll. Merci. Il y en a combien de temps d'épisodes avec tout ça là? Ouais. Bon, on va ramener ça vite fait. On va cesser. Ok. Donc la prochaine fois, on va aller au niveau du point de sauvegarde, entre guillemets. On ira au niveau de la zone aquatique ici, et bon, on continuera, voilà, tout simplement. On est à combien de pourcents de la zone? On est presque à 50%, ce qui n'est pas dégueulasse. Ça me fait rire quand il y a cette petite animation. Bref, j'espère du coup que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!